dit. On est là pour finir la semaine en beauté. On est là pour vous apporter la dernière lumière, la dernière chaleur de cette semaine dans cette émission avant de vous annoncer les couleurs du week-end. Nous sommes bien vendredi et vous savez que les vendredis, on s'amuse, on se lâche, on rigole, on se donne du plaisir parce que oui, c'est le week-end et c'est d'ailleurs assez mérité que vous puissiez rentrer vous reposer. À côté du repos, écoutez, sortez de chez vous parce qu'il y a tellement d'événements, il y a tellement d'activités ce week-end pour vous permettre de vous remettre en bonne énergie avant le lundi matin. Alors, je vous dis déjà bonjour et je souhaite la bienvenue à tous nos invités pour cette émission. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et vendredi, on se... lâche. Quelle chaleur. Bonjour, mais ça va très bien. Je vais super mais bien. Mais tu pétilles, j'aime ah, là, bien. Là, 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 bonjour. Je me porte super bien. Oui. Et alors, toi? Ouais, mais ça va super cool. Bonjour aux chers téléspectateurs. On est le vendredi, comme d'habitude. Eh bien, c'est la joie, ici ou par ici, si vous voulez. Alors, on va encore vous donner le nécessaire, ce qu'il vous faut, bien sûr, pour être bien à la maison. Tonton, il est là, Mentor est là, l'oracle est là, Yannick est là, nous tous, nous sommes là. Et donc, voilà, c'est comme ça. Ouais. Voilà, exactement comme tu l'as dit. Si comme ça, ça va être ça. Oui. Mais on ne ferait pas cette émission sans vous qui êtes à la maison, nos chers amis téléspectateurs. Alors, je vais demander qu'on ralentisse un peu la vitesse de la bande-annonce parce que ça va trop vite et donc les gens n'ont pas le temps de lire le message qui est inscrit. Mais sinon, je veux déjà dire merci à tous ceux qui sont venus dans le studio pour participer à cette émission en direct. On va applaudir notre public de jour. Oui, merci à vous infiniment. Alors, on va simplement faire le résumé de cette semaine. On a parlé sport. Il sera là, John Badaï, tout à l'heure. Oui. Et puis, on va également vous rappeler les dates pour les prochains matchs de l'équipe nationale. À côté, nous revenons dans la marmite avec M. Yannick Smoussi. Et on vous annonce également les couleurs de la deuxième formation, s'il vous plaît, de cuisine. M. Cinéma, M. Joël Missé-Boupois. Le plus grand sage de tous les villages, lointain. Oui. Et qui va revenir également sur les informations dans le monde de l'environnement. Comment préserver notre environnement, comment prendre soin de nous également, quels sont les bons gestes. Ce sera avec lui. Et à côté, on a également Mentor en Boulon et notre cher ami l'oracle pour vous dire qui vous êtes aujourd'hui si vous soufflez une bougie de plus. Et maintenant, sans passer la parole à qui que ce soit, j'aimerais juste implorer la présence des entités. Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Amen! Edi wele wele wele. Edi ja ja ja. Edi wele wele wele. Edi ja ja ja. Edi wele wele wele. Edi ja ja ja. Bien sûr, la pluie de ce matin pour vous annoncer Champions la pause saison 2. Tout à l'heure dans Deux voix de mémoire, on va en parler. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et nous fêtons bien sûr un PIV, les Kofi. Afi, en pays qui vient, c'est les Kouméalo, Kouméabalo. Mais pour ce qui concerne le calendrier grégorien, qui de mieux pour nous en parler si ce n'est l'oracle, bien sûr, après le jingle bizarre. Voilà, alors je demandais le téléphone de l'émission pour commencer à lire vos messages. On a fait hier une lecture. 25 minutes de lecture de messages. Exactement. Et à côté des 25 minutes, il nous restait quand même plus de 300 messages. Du coup, mais c'était intéressant aussi parce que les gens étaient actifs. Oui, la défaite était douce. Oui. La défaite, la douceur de ça. Elle était douce. Il ne faut pas se moquer de la défaite déjà parce que nous aussi, on a fait trick.
Non, mais attention, c'est ce que je te dis en fait. Ah. Tu sais, dans l'histoire du Togo et du Bénin, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Et c'est normal. Et d'ailleurs, c'est légitime que les mêmes choses qui se passent au Togo se passent au Bénin. Bénin. Voilà. Voilà. Mais ce n'est pas une évidence que ce qui va se passer au Bénin va se passer au Togo. Sinon, quand même, on envoie plein de bisous à tous les Béninois qui nous regardent aujourd'hui. Mais chez les Midokwa Bonumi, vous êtes chez vous ici dans cette émission et on attend d'ailleurs vos messages. Et aujourd'hui, ce matin, on va célébrer les anniversaires. Mais avant ça, je dis quand même bonjour à Jojo. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Oui, ça va, ça t'es va super bien. Si, bien sûr. Ah ouais. T'as un truc. Ah oui. Non, t'as dit que le blanc, ça m'allait très bien. Le donc, blanc, c'est ta couleur, au cas où tu ne le sais pas. Et c'est pareil pour toi aussi, le blanc, merci. Ça va super bien. Merci, il faut dire à Yannick aussi, c'est pas mal. Zoomons ensemble, il faut bien zoomer. Yannick, tu es patriote, tu es patriote. On a vu, c'est très bien, ça te va très très bien. Merci, Joël. Ouais. La couleur blanche avec le drapeau togolais, tu es patriote. Mmh. Patriote Yako. Bon, merci, merci. Patriote Yako. Bien, alors, le débrief, la semaine. La semaine a été assez intéressante, puisqu'on a parlé doublement cinéma. Et c'est bizarre, on a parlé cinéma qu'avec les deux Steven. Hein. Oui. Steven Aff et Steven Afo. Voilà, c'est ça. Steven Aff et Steven Afo. Et d'ailleurs, on va revenir sur la prochaine projection exactement de Steven Aff. Pendant... Et puis, la vidéo que j'avais prévue hier, on ne l'a pas diffusée. Bon, on va ce sera avec plaisir aussi de diffuser ça pour faire passer ce message-là. Et puis, si tout va bien, à partir de lundi, on va prendre le trio. C'est, comment il s'appelle? Totorino. Les comédiens de la dernière fois, qui nous parlent de la Bible, qui nous parlent de ce qui est écrit dans la Bible d'une manière, en tout cas, bravo. Et il revient encore aujourd'hui avec cette même Bible pour passer un autre message. Voilà. Non, mais c'est important par contre, parce que ce matin, je me suis réveillée avec une parole de la Bible qui m'a fait réfléchir. Tu sais les 10 commandements. Mm. Les 10 commandements, il y a une parole dedans qui nous dit que tu ne dois pas convoiter la femme ou le mari de quelqu'un d'autre. Et au même moment, Abraham n'était pas célibataire, il était même polygame. Même ça, moi, avec beaucoup de femmes. Il y a amalgame. Bon, non, ça, c'est le souci est que Abraham est plus vieux que Moïse. Et David. Donc, Abraham, c'était dans l'Ancien Testament. Les deux sont dans l'Ancien Testament. Et puis le roi David dans tout ça là. Mais il faut même rester. C'est leur petit-fils. Plus tu mets de noms, plus je m'embrouille en fait. Parce que c'est un assez compliqué. David, c'est de la descendance toujours de Salomon. D'Abraham. C'est Salomon. Décider qui est venu avant lui. Il y a qui est là avant l'autre. C'est ça, voilà. C'est le fils de David. Voilà. Donc c'est le père. On va faire les prédictions. Est, la vie est belle et puis le Seigneur est merveilleux. Et on ne va pas chercher plus loin que ça, non, simplement. Alors tout à l'heure dans cette émission, on va également vous présenter des solutions innovantes qui vont vous faciliter la vie. Nous aurons le plaisir de recevoir ici M. Dossa Apollinaire, il est le directeur commercial de Site Afrique. Et à côté également, vous savez que l'émission La Pause met toujours un point d'honneur sur les activités caritatives. Voilà. Et nous serons avec l'association Future Voice de Mme Lanson Dominique, qui est donc la coordinatrice, et elle sera accompagnée d'Abigail. De quoi on va parler? Vous allez voir, on va parler des enfants, on va parler de comment prendre soin des enfants, et on va vous inviter également à vous associer aux activités de cette association. Et maintenant, les prénoms du jour. Qui est-ce qu'on sait? Attends encore. Yannick, bonjour. Bonjour, Yann. Bonjour à tout le monde. Super bien. Et toi? Je vais bien. Ils ont coupé le courant chez toi? Non. Ton frère a repassé, cassé en deux. Non, il a repassé avec le ventilateur. Bon, ah ou bien, attends, souvent quand, tu vois, quand on sort l'habit du sachet, quoi, on ne prend pas le soin de repasser. C'est parce ça que aussi. On a aussi peur de... Sinon, côté, qu'elle est repassée. En fait, tu avais commencé à repasser quand la pluie s'est annoncée et que tu sais que là, c'était... Mais on va pas trop s'apesantir sur le sujet. On embrasse tous ceux qui nous regardent depuis tous les postes de la CD. On vous aime, les gars, franchement. Dans la marmite aujourd'hui. Oui, dans la marmite. Dans la semaine, on a parlé d'une marinade. Et c'est cette marinade qu'on va encore mettre sur le plateau pour que les gens puissent réaliser ça chez eux. Comment on appelle marinade en évé? Quelqu'un a trouvé la bonne réponse, attention. Nous, moins toutou. Et puis, toutou, c'est ça, madame.
Dans l'argot, on dit épice tout chaud. Mais en gengbé, là, en truc là. Aïe, je te dis. Vous êtes grave. Et ce qui est le plus important, c'est du deuxième atelier qui va se passer le 25, samedi 25, voilà, prochain. Donc, venez massivement, ceux qui sont, voilà, probablement ceux qui sont amoureux de... sur lequel les gens peuvent s'inscrire. Oui, le 90 66 34 43. Encore 90 66 34 43. Voilà. Et je tiens à préciser que ce n'est pas seulement des mains, on fait des mains de, partout de là. Et d'ailleurs, donc, ça va venir à petits coups. Donc, on a commencé par les mains de... Voilà, d'ailleurs, d'ici, on mélange un peu. Oui. Et voilà. Donc, ceux qui sont amoureux de la cuisine... C'est qui, attends, on va développer la cuisine. Non, mais ça, c'était une image de la première édition. Exactement. Et on avait cuisiné de la sauce crème. Sauce viande de bœuf, sauce crème, avec des champignons et du riz. Attends, c'est Océane qui l'affiche. C'était magnifique. On a fait des crêpes au chocolat et les crêpes nature. Oui, c'était super bon. Avec du bon smoothie, avec du sirop. C'était agréable. C'était un moment... Et si vous ratez ce deuxième moment, parce que peut-être certains, vous savez, souvent, les gens veulent voir avant de croire. Wow. Moi, je veux juste vous dire que nous, on n'a même pas, on n'a pas vu, on a cru, on a mangé, on était rassasiés. Tu peux me donner le téléphone, s'il te plaît? Océane, tu es très belle aujourd'hui. Merci beaucoup. Si je te laisse lire les messages, on risque d'avoir des problèmes. Merci, merci beaucoup. Alors, avant de donner les prénoms du jour, une deuxième fois, est-ce qu'on avait donné les prénoms du jour? Non, pas encore. Donc, la première fois. Tu avais dit attends d'abord et puis le... Voilà. On est toujours dans l'attente d'abord. Bien. Bon, alors, je vais lire quelques messages rapidement. Ils sont encore là, nos chers amis téléspectateurs. Alors, coucou la pause. Salut. Salut. Bonjour. Alors, s'il vous plaît, Océane, Jerry, est-ce qu'il est votre mari? Au final, on va vous diffuser toute la série Taxi. Hein. Allez suivre l'émission Taxi. Donc, toutes les réponses sont données de l'autre côté sur TikTok ou TikTok. Voilà, TikTok et également sur nos pages Facebook. Et vous avez toutes les réponses. Justement. Mais sinon, oui, je comprends que vous posiez la question parce que j'ai toujours, tu vois... bref, merci beaucoup. Bien. Bon, alors, bref, on continue avec les messages. Oui. Depuis Bossimé. Bonjour la pause. Bonjour. Superbe journée à vous. Merci et à vous également. Le message nous vient de Bossimé. Merci beaucoup, vous êtes vraiment très très gentil. Pour les anniversaires, s'il vous plaît. C'est important d'envoyer les photos la veille. C'est important parce que le jour J, dès que j'ai le téléphone ici, on ne peut plus rien récupérer à la régie, ça, vous voyez. Donc, si vous voulez passer les photos de vos proches, c'est la veille que ça doit se faire. Merci beaucoup. Ah, on a pas même nos connexions. On a des amphibres, tu vois, les messages ne viennent plus. Les prénoms du jour. Oui, si, la fibre Togocom. Les prénoms du jour, on a qui? Bonjour tout le monde déjà. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. On va partir avec la calebasse comme d'habitude pour découvrir le nom du jour. Et puis il a quelque chose aujourd'hui. Il est si. Oui, j'ai comme impression. Alors on va partir avec la calebasse. Oui. On va partir avec la calebasse. Il y a un charmant tonton dans le studio. Il porte du blanc et du bleu avec du noir. Il sourit. Il est trop mignon. Je ne sais pas c'est qui l'a envoyé par ici. Arrêtez d'envoyer les beaux garçons le vendredi. Hein? Il y a mon mari qui suit l'émission le vendredi quand même. Il va avoir mal. Monsieur, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Venez. Regardez comment il est charmant. Est-ce que ce que je dis, est-ce qu'il n'est pas charmant, ce monsieur? Il est mignon. Oh là là, il est charmant, mon Dieu. C'est un ouvrier. Vous avez des traits en commun. Exactement. Alors, bonjour, monsieur, comment vous appelez? Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Hassan. 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 Hassan, on va se tourner un peu comme ceci. Voilà. Hassan, il fait quoi dans la vie? Ah, je suis étudiant. Vous êtes étudiant? Okay. Mais vous n'êtes pas tout le monde, Hassan. Non. Vous êtes du Niger? Du Mali. Il y a plein de gens qui nous regardent depuis le Mali. Mali. On va vous demander de leur dire bonjour dans votre langue. Et puis après, vous pouvez saluer votre copine, votre ex, votre belle-mère, les gens à qui vous devez de l'argent et tout ça. Voilà. Donc, allez-y. Regardez la caméra numéro 3. Bonjour la famille. Ambara. La langue du Mali, la première, c'est bonjour la famille. Une seconde. Hein. Bien. Allez, tchè. Oui, allez-y. Eh wow. Okay. Je parle de soleil. Oui, vas-y, on s'arrête. On y va.
Wandoi, Nalafia. C'est pas mal. On va décharger le micro. On va bien, bien rapprocher le micro. D'accord, comme c'est là. Oui. Wandoi, Nalafia. Comme ça, tout comme ça. Voilà. Oui. Voilà, c'est bon. Okay, c'est bon. Ah, il a fini. Ok. Donc, le premier mot que vous aviez utilisé, c'était Wonde. Wondehoi. Wondehoi. Ça veut dire bonjour. Et Alafia. Alafia, oui, ça va. Ça va. Ah, Wondehoi, Alafia. Oui. Je suis déjà au Mali. Merci. Bon, alors, merci beaucoup. Venez. Vous allez soulever cette calebasse, okay. D'accord, et vous allez lui remettre à celui qui est en face de vous, l'oracle, le papier qui est en dessous. D'accord? Bien. Merci. Merci, on l'accompagne. Alors, les prénoms du jour, on célèbre qui? Avec impatience pour découvrir l'animal porte-bonheur. Bien, on y va. Alors, aujourd'hui, le 10 juin, nous fêtons les Landry en l'honneur de... 10 juin. 10 juin. 10 juin. Joyeux anniversaire. 10 juin. Gros bisous à toi, ma petite chérie. Oui. Mm-hmm. Alors, nous fêtons les Landry en l'honneur de Saint Landry, évêque de Paris, mort en 656. Le prénom Landry vient du mot ric qui signifie riche et du mot land qui signifie terre, étymologie germanique. À la même date, nous fêtons aussi les Foulk en l'honneur de Saint Foulk, évêque de Reims. Saint Foulk, outre ses activités religieuses, a protégé sa ville des invasions en faisant construire les fortifications et a soutenu le roi Charles de Simple contre son cousin Eudes. Il fut assassiné en 900 par le comte Baudouin de Flandre. Ok. Alors, quelles sont leurs aptitudes et aptitudes dans la vie active? Alors, vous divulguez souvent les nouvelles informations aux personnes qui vous entourent. Il divulgue. Attends, tout va bien, Oracle? Je ne veux plus vous voir. La plume ne te fait pas du bien. Vous divulguez. Attendez, je vais vous expliquer. Il a utilisé un accent du genre, tu vois, quand tu veux montrer, quand tu fais la phonétique combinatoire, quand tu veux combiner les sons, ça sonne autre chose, mais il a quand même dit... C'est des sons, pas moi, c'est bien sûr. C'est même pas ce volet d'histoire. J'ai regardé tout ce que j'ai vu. C'est tout ce qu'il a dit qu'il passe sur la télévision nationale. Qui se sont levés et ils ont tapé la télé. Vous divulguez. Vous divulguez. Ok. Vous divulguez. Voilà. Souvent les nouvelles informations aux personnes qui vous entourent, en particulier celles qui se trouvent sur votre lieu de travail. Oui. Vous êtes également doté d'une personnalité, d'une passion et d'une tranquillité d'esprit unique. De plus, vous êtes une personne compatissante avec des caractéristiques inaperçues qui se révèlent à mesure que vous grandissez. Vous serez éloquent, audacieux et franc. Vous serez toujours une personne vive d'esprit. Ouais. Vous disposez d'un côté humoristique qui vous permet de faire rire et d'être heureux. Vous serez une personne gênante qui causera très probablement une agitation. Vous veillerez à vous faire remarquer à tout prix. Vous êtes plus logique et brillant. De plus, vous trouvez plus facile de manœuvrer les gens en leur faisant faire votre volonté. De plus, il est simple pour vous de faire bouger les choses grâce à votre créativité et votre polyvalence. Vous serez une personne prospère avec un cœur qui produit de bonnes idées pour les gens et les entreprises. Vous serez sujet à des sautes d'humeur, ce qui vous rendra peu fiable et inaccessible. Il est difficile pour vous de rester sur un cours particulier pendant une longue période en raison de votre manque de concentration. Vous n'irez jamais pour un travail qui ne vous satisfait pas, plutôt, même pas s'il a de bonnes perspectives financières. En plus de cela, vous trouvez qu'il est très difficile de donner votre argent aux gens. Oh, alors, quels sont leurs... C'est vrai, 10 juin, elle est exactement comme ça. Elle ne fait pas les choses seulement pour gagner de l'argent, mais tant que ça ne lui fait pas plaisir, ça ne vient pas du cœur, elle te dira non. Tu peux lui proposer n'importe quel contrat, elle te dira non, ça ne va pas avec moi parce que je ne me sens pas à l'aise avec si. Quel que soit le million que tu lui diras, elle est comme ça. Je trouve que c'est une personne vraiment franche, cette fille. Ah, je vais la voir. La fille, si elle parle, 10 juin. Non, c'est vrai, c'est vrai.
je parle par expérience, elle est comme ça, cette dernière partie. Et puis, c'est vrai aussi que son argent ne sort pas. Vraiment. Ah, quand on lui propose des millions, elle refuse. L'argent va rentrer, va sortir. Comment? Comment? Si l'argent ne rentre pas, par quel moyen ça va ressortir? Dis-je, pardon, il faut accepter pour pouvoir sortir. On poursuit. Quel est leur rapport avec la faune et la flore? Alors, le bronze est votre métal de chance. Et puis là, elle a un truc bien. Attends, le bronze, oui. Ouais. Le bronze, oui. Métal, oui. La gâte est votre pierre de naissance. Voilà. Ouais, vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 7, le 10, le 18 et le 22. Vos couleurs porte-bonheur sont le jaune, crème, argent et champagne. C'est quoi crème, là? La couleur crème. Oui, j'avais... C'est quoi la couleur crème? C'est quelle couleur? La couleur crème. C'est ça? Non. Ah, ça, c'est le grand Tintin. Il y a différents. Je crois que la prochaine fois, il faudra ajouter des couleurs. Oui, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est vrai. C'est des couleurs composées, en fait. On a que 7 couleurs, normalement. Comme la toge de menteur. Ah oui. Ce matin. On a tout, les 7 couleurs dans ma toge. Ah oui. Même l'arc-en-ciel est étonné. OK, on poursuit. Alors, vos jours de chance sont le mercredi et le dimanche. Ah. Votre fleur porte-bonheur est la lavande. Vos plantes porte-bonheur sont plantes de menthe et le bambou. Ah, bambou. Menthe et le bambou. Bambou. Bien. Alors, je veux souhaiter une bonne fête d'anniversaire à toutes les Dianes du monde. Hein. Je veux souhaiter à Diane, ma grande sœur, Georgina, si c'est ton anniversaire. Je souhaite également une bonne fête à Dijon, notre star nationale. Oui, exactement. Et puis, je souhaite une bonne fête à toutes les autres personnes qui portent des prénoms différents de Diane, mais dont aujourd'hui. Beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de paix et beaucoup de richesse dans votre vie. Coucou la famille. Salut, bonjour. Alors, il faut que le monsieur Calebasse... Il se lève pour que j'admire sa tenue. Oh, comment? Alors, c'est un message. Mon frère, lève-toi, comment? De la part de M. Fabrice depuis Bamako. Merci beaucoup. Fabrice, Anitien. Alors, un autre message du Mali. Ah, il a réveillé tous les Maliens. Oui, justement, il a réveillé tous les Maliens. Demain, il faut venir encore. Hein? Et puis, il faut qu'il y ait un Camerounais, un Gabonais, un truc. Ah non, lundi. Merci. Tu as oublié les Béninois. Hein. Faut qu'ils soient là. Non, les Béninois, là, sont toujours là. Il faut les laisser, tu sais, présentement, là, ils ont d'autres. Un gros goumet. Alors, assalamu alaikum. Waalaikum salam. Je suis congolais d'origine de Kalimé, Pélé, Adeta. Je réside au Mali, à Bamako. Joyeux anniversaire et bonne émission à vous. Merci. Tous. Merci, bonne journée également. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, on vous dit bonjour. Bonjour. Vous êtes tous mignons, vous n'êtes pas, ils ne sont pas mignons aujourd'hui, ils sont tous vilains. Ah. Alors, oui, par contre, c'est là aussi, elle est très mignonne aujourd'hui. Oui, elle est. Envoyez-lui la mignoncité, envoyez-lui la mignoncité. C'est bon pour le moral. Tu es mignonne, bébé. Mais reste tranquille, toi. Ah. Alors, mon frère est né aujourd'hui et la description correspond parfaitement à sa personnalité. Comme quoi... Ah, le frère là aussi ne sort pas l'argent. Merci. Alors, la vie. Coquine. Juste un coucou, je vous adore, c'est Joseph Adiba. Alors, ma chérie Océane, comment tu vas? Ta chérie Océane se porte bien. Bien de choses à tout le plateau. Merci. Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, etc. Pour vous dire que c'est dans cet ordre qu'ils sont arrivés, en fait. Reprenez. Ah, c'est pas ça. Reprenez, maman. Bon, reprenez, maman. Attendez. Faites... Moi, j'ai juste lu le message. Je ne suis pas responsable. J'ai juste lu le message, en fait. Il a dit Adam, n'est-ce pas que Adam. C'est Adam et Eve qui étaient là. Oui, on est d'accord. Après, Noé est venu faire l'arc de Noé, non? Ah. Oui ou non? Abraham est venu, il a constitué une grande famille. Oui. C'est ça, non? Et Isaac était le fils d'Abraham. C'est ça. Et puis Jacob... Jacob, ni le neveu. Oui, c'est le neveu d'Abraham. C'est l'enfant d'Isaac. Jacob, c'est l'enfant d'Isaac. Voilà, c'est ça. Et puis Moïse, il est venu. Oui. Moïse, il est venu. Arrête, petit-fils. Voilà. Et David a tué Goliath. Oui. Mais c'est pas ça l'histoire. C'est ça. Applaudissez.
Il y en a. À la fin. Ah non. C'était David. David à la fin. Maman, dans tout ça là, vous n'avez pas cité le nom de mon grand-père Zachary. Après Adam, c'est mon grand-père. C'est Zachary qui t'en va porter des touches de couleur multicolore. Vraiment, on a trop de problèmes. Et lui, merci beaucoup à vous, vous avez raison. Hein. Alors, bonjour merci. La pause. Bonjour. Vous êtes très beau ce matin. Merci. Bonne émission à vous. C'est Milka depuis Adjigré. Voilà. La vie. Vous êtes sublime. Juste merci. Pour dire merci à Noir, à Soso depuis Sokodé. Merci beaucoup à Noir, c'est gentil. Alors, un message oula, qui vient de loin. Monsieur Hadi, qui nous écrit depuis l'Arabie Saoudite. Mmh. Et il nous dit, je vous salue à tout le plateau. Bonne émission. On vous envoie, nous, de gros bisous. Merci de penser à nous, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, coucou la pause. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, les cheveux d'Océane poussent tellement vite. Ah hein? Oui, c'est une question d'heure. Bonne émission à vous. C'est au calamar depuis quand je viens couper. Au calamar, mes cheveux poussent vite. Oui, comme tu as remarqué, là, ça pousse vite. Tu ne peux pas parler d'autre chose. Merci, c'est gentil. La merci tête de la nation. Notcha. Je suis votre émission chaque jour. Merci. Ça nous fait plaisir. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. À vous également. Salut la pause. Salut. Je vous envoie des cœurs. Mm. Il faut que M. Jerry m'écrive après, s'il vous plaît. C'est qu'il faut, parce qu'il faut screener le truc. Il fait capture d'écran. Tu envoies le numéro aussi. Ou bien moi-même, je note en direct. Depuis qu'on a dit qu'il n'est pas marié à Océane, vous envoyez le message n'importe comment. Il n'est pas marié à Océane. Envoyez. Comment je vous écris? C'est moi qui vais vous écrire. Donc, envoyez les numéros, moi je vais vous envoyer des messages aussi. Reste tranquille. Ah. Voilà. Quand ton manager parle, toi tu ne parles pas. Ah. Tu attends, quand je te dis va chanter, tu chantes. Ah. Si je dis descends en plein concert, tu descends. Ah. En fait, tu n'as rien à faire d'autre que de faire ce que je dis. Ah. Tu vois? Mm. Merci beaucoup. Dieu merci, aujourd'hui c'est vendredi. Bon allez, salut la pause. Salut. Moi c'est Jenny, juste saluer la grande famille. Mm. Merci Jenny, salut la pause. Salut. Menteur ambulant, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter ta robe? En fait, c'est pas une robe. J'ai déjà ma calebasse. C'est Richard depuis Cara. C'est pas une robe, hein? Avec tout le respect que c'est une tenue de travail. C'est une tenue de travail. Voilà. Alors, salut la pause. Salut, bonjour. Merci. Merci beaucoup. Depuis Sokodé. Merci. Merci Sally depuis Sokodé. Depuis le Gabon, Afi depuis le Gabon, elle nous dit j'aime bien ta robe, j'aime très bien cette émission, je vous suis depuis le Gabon. Ah oui, c'est une évidence. Merci. Alors, oula. Bon, coucou la pause. Coucou, salut, ça va bonne super cool. À vous tous, c'est Sarata depuis Agoé. Merci Sarata. Alors, coucou la pause, c'est Natacha. Louise depuis Baguida, Océane, tu es trop mimi aujourd'hui, je vous adore, bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lago. Alors, salut la peau, c'est Lil Max depuis Atapame. Merci Lil Max. C'est mignon, bonne émission à vous, je vous aime. Nah, thank you so much. Alors, grande légende, Amé Océane Kodia, avec la photo capture d'écran. Merci beaucoup, vous êtes vraiment très gentil. La vie. Coquine. Quand on dit la vie, là, ça me réveille, je ne sais comment. On a compris. Ah. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Trop mignon ce matin, surtout Océane. Merci. Gros bisous à vous et gros bisous à tous ceux qui nous regardent depuis Arapam également. S'il vous plaît, je m'appelle Novignon Achoutier Paul. J'aime beaucoup votre émission, je suis fière de vous. Merci beaucoup, c'est très très gentil à vous. Merci infiniment. Delphine, salut la pause, comment allez-vous? Très bien, super cool. Merci. Ma tante, je vous aime tous, c'est depuis Atigangomé. Merci beaucoup Delphine, c'est qui est votre tante? C'est toi, non? Oh. C'est pas la seule, toi, tu es la seule femme ici. Non, moi, c'est toi, tante. Ah, ou comment? Salut la pause. Salut. Océane, j'aime beaucoup ta robe. Je l'ai eue dans une boutique à Lomé. Je vais vous donner l'adresse tout à l'heure. Salut la pause, vous êtes trop stylé. Salut, merci. Merci. Et bon début de week-end, c'est Pascal depuis le Bénin. Merci Pascal. Pascal. Vous vous en sortez. Ça va mieux. Ça va un peu mieux qu'hier. Le bricolage. Bien. L'animal porte-bonheur de Diane Dijon. Alors, ils ont deux animaux.
L'ours polaire et le lama. Et puis ils sont c'est bien. C'est des jumeaux. L'ours polaire. Donc on a l'ours, l'ours polaire. Ah. C'est le lama là même. Le problème. Comment ça se fait que les gens d'aujourd'hui aient deux animaux? Moi-même j'étais étonné. Quand les dieux ont envoyé, non, c'est la loi jumelle qui les conduit dans leur vie. Quoi. Il faut qu'en entendant les gens d'automne être trois animaux. Fais doucement. Dieu ne joue pas au dé. Vraiment. En avoir trois, il faut que ce soit tout, tout tu sais pas, la faune. Toute la faune. Hein? Non, c'est un zoo, on va leur donner un zoo. C'est un océan avec beaucoup de poissons. Prenons comme un mât, s'il vous plaît. Allez, on va continuer devoir de mémoire, histoire de répertoire. Ah ouais, devoir de mémoire, histoire de répertoire, ça fait exactement un an, on a commencé cette aventure de champion slam pose. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Je me lève ou comment? Bien sûr. Et c'était le poulet de truc là qui était truc. Tu vois, c'est mon poulet même qui est premier. Non, tonton, ne va ton poulet comment. Oh, champions, l'homme pose là. Vous parlez de poulet, poulet. Là, attention, attention. Midiab. On sait que c'est Midiab qui avait gagné cette compétition, d'accord. Mais tous les autres candidats ne déméritaient pas. Oui, oui, il faut le rappeler. Nazir non plus. C'est ce que j'ai dit, que tous les coachs ne déméritent pas non plus. On va juste applaudir les Coach John, Coach Lina. Lina. Et puis voilà, après, on avait des coachs spéciaux également qui sont passés par ici. Bien, en image, on peut revenir sur ces cette première édition. Oui, oui, comme on le dit souvent, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne en compétition slam. Et il s'agit de l'humeur du jour, du feeling qu'a dégagé celui qui a gagné. Et on va partir avec cet élément parce que la saison 2 commence aujourd'hui. Innocent, on y va. Champion Slam Pose, saison 2. Amoureux des vers, séducteur des mots, vous êtes slameur, vous êtes poète, vous êtes artiste, sculpteur des mots. Inscrivez-vous au 91 63 16 48. On en a trop parlé en oubliant de consoler les gens qui sont touchés. Alors ceci est un texte d'espoir pour ceux qui n'arrivent plus à croire. La vie est un jeu d'échecs et nous en sommes les pions. On pense la contrôler alors que c'est tout le contraire. Et si vous croyez que je mens, demandez donc à la terre. Elle vous dira qu'elle était belle mais n'est plus saine comme hier. Mais là j'en ai assez, je crois que je vais porter plainte. Qui va détrôner Mujab? Oh, plus de stress, plus de doute, plus de crainte. Bientôt tout ira bien. Voilà, alors ça, c'est Midiab. Applaudissez pour le, la fille de la nation. Midiab, et puis elle n'est pas restée que sur Champion Slam. Non. Après ça, elle a enchaîné beaucoup de choses. Joute verbale francophone, elle a raflé deux prix, deux statuettes. Calbash Challenge. Elle a Ridef également. Elle était la première. Mais tu sais, c'est une fille adorable. Bravo. Il faut l'applaudir. Comment? Bravo les gars, bravo. Après là, bon, il faut rappeler qu'ils étaient trois à être lauréats. Hein. Il y a bien sûr Nazir. Il y a aussi Ange de Vérité. Et Mujab, la première. Après la compétition, elle a fait un stage de un mois dans la cette émission. Et voilà, aujourd'hui, elle est publicitée par l'émission Cinéa, où elle va commencer par donner une rubrique dans cette émission. Super, super. Et magnifique. Pour cette année, je convie tous les amoureux du slam, des mots, professionnels ou amateurs, inscrivez-vous. Et puis, on verra qui va détrôner
Mujiab et surtout les 500 000 mises en jeu par l'émission La Pause. Que comment moi, je vais m'inscrire, mon frère. Ah, les 500 000 mises en jeu par Monteur Ambulant, il faut bien préciser, c'est lui qui a dit. Hein. Il a dit l'émission. Ça, après, vous venez présenter des factures aux gens. Non. Bien. Allez, on va poursuivre, d'accord. On poursuit cette émission. On va juste marquer une petite pause publicitaire, mais avant ça, la vidéo des photos de ceux qui soufflent une bougie depuis aujourd'hui. À vous et maintenant, on va juste sauter sans transition sur la plage publicitaire. Calebasse Club Actu 8. Quelque part dans les méandres de l'Afrique de l'Ouest. Les pivots conscients, Jeff et Menteur Ambulant accueillent Ami, Ami du Slam, l'image du slam ivoirien au Togo pour un spectacle sensuel et inédit par la cause des sans-voix, samedi 18 juin 2022 à l'Institut français du Togo à 20h. Il y a en toi cette magie qui enflamme des corps en y insufflant des âmes. En toi s'exclame, se déclame. Le rythme sur lequel danse la vie, sur lequel chantent tes envies. Calebasse Club, c'est la rencontre des styles du slam mondial qui est au pluriel. Réservation plus 228 91 63 16 48. Entrée libre et gratuite offerte par Calebasse Challenge et l'Institut français du Togo. Achat de crédit ou de forfait pour toi et tes proches, transfert d'argent, paiement de tes factures ou de tes abonnements, ou encore paiement marchand. Avec ta nouvelle appli T-Money, retrouve tous les services T-Money accessibles en quelques clics seulement. Alors, facilite-toi la vie! Télécharge et utilise gratuitement dès maintenant ta nouvelle application T-Money sur Play Store. Togocom, avancez pour vous, pour tous. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43.
Voilà, et merci également à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. On vous envoie tout plein de bisous depuis le studio de La Pause. Voilà, tout plein de bisous. Voilà, bisous. Quitte ici. Ah. Allez, maintenant, merci, c'est gentil. C'est gentil, mais je ne brille pas autant que Madame Lanson Dominique. Hein. Bonjour, madame. Bonjour, Tata. Comment vous... Ah non, il n'y a pas de Tata. Ici, c'est Océane et Dominique. Océane, Dominique. Océane, Dominique. C'est bon? Bien. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Ben, on va super bien. On est très contents de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui. Et on envoie un gros bisou à tous les enfants qui nous regardent également. Alors, on est avec l'association Future Voice. Qu'est-ce que c'est, Future Voice? Merci beaucoup. Bonjour, chers téléspectateurs. Je vous admire tous et... Je vous aime tous aussi sur le plateau. Merci, merci Dominique. En effet, je réponds au nom de Dominique Lawson. Je suis la coordinatrice de l'association des enfants et jeunes Future Voice. Future Voice, c'est une association des enfants et jeunes qui lutte pour la promotion et la protection des droits des enfants, l'épanouissement des jeunes, surtout celui de la jeune fille. Donc, nous avons pour but de bâtir un nouveau monde aux enfants et jeunes où ils joueront de leurs pleins droits, tout en tenant compte de l'égalité genre, de l'inclusion sociale au niveau national, régional et international. Du coup, pour arriver à accomplir nos objectifs, nous intervenons directement dans les communautés avec nos cibles qui sont les enfants démunis, les orphelins, les enfants en situation de rue et les jeunes en difficulté. Merci. Wow, félicitations. Alors, je crois qu'il y a une journée, le 12 juin prochain, vous avez une activité. Et puis, cette activité vient soutenir, si vous voulez, la réalité de la situation des enfants travailleurs au Togo. Il s'agit de quoi? Je veux revenir sur la situation des enfants travailleurs au Togo. Merci beaucoup pour la question. Au Togo, disons qu'ils sont très nombreux, ces enfants qui vivent dans les situations de travail et qu'on retrouve dans les rues, dans les marchés, tout juste pour gagner leur pain. Disons que ces enfants sont pointés du doigt, sont méprisés, accusés de voleurs parfois. Disons que tous ces enfants ont une histoire, chacun qui est douloureux et parfois écœurant même. Ce sont des victimes que nous devons faire sortir très rapidement du gouffre. Notons qu'au Togo, vraiment, ce qui est touchant dans tout ça, selon les rapports statistiques de la RFI, 85% de ces enfants sont des enfants qui ont leurs parents en vie. 10% sont des orphelins et 5% sont des enfants migrants. Ils sont vraiment résilients parce qu'ils doivent s'adapter aux situations dans lesquelles ils vivent pour pouvoir gagner leur pain, d'où le travail de portefeuille, de cireur, de pare-brise, de nettoyer, tout ça là. Elle les aide ménagères, les travaux domestiques, et les travaux d'aide maçon et aussi les ramassages de tas de ferrage, genre les gapobis. Donc, ces enfants sur les lieux de travail sont vraiment méprisés, sont vraiment traités de façon vraiment qui n'est pas adéquate. Et disons qu'autour de ça, il y a leurs droits qui sont vraiment bafoués. C'est vrai. Donc, c'est un peu la réalité. Alors, le 12 juin, il y aura quoi alors comme activité? OK. Nous, l'Association des enfants jeunes Future Voice, vu que nous intervenons dans les communautés directement, nous avons prévu des sensibilisations. Sensibiliser les parents parce que déjà, quand nous voulons parler du travail des enfants, nous devons aller maintenant à la cause. Qu'est-ce qui en est la cause? Il y a la pauvreté, bien sûr. Et de l'autre côté aussi, il y a entre l'irresponsabilité de certains parents qui poussent les enfants maintenant à aller travailler. Du coup, nous avons prévu faire des activités de sensibilisation. Déjà, avec les parents, dans les communautés, même avec certains enfants qui sont déjà dans cette situation, parce que nous avons plusieurs solutions pour pouvoir remédier à ça. Donc, nous avons prévu cette fois-ci plusieurs activités de sensibilisation. Super. Pour pouvoir accentuer, invoquer la population, inviter tout le monde à maintenant s'engager dans la lutte. Vous parlez d'inviter tout le monde à s'engager dans la lutte et je pense que le gouvernement a déjà mis en place un certain mécanisme pour pouvoir sortir ces enfants-là de ces travaux forcés. Est-ce qu'on peut aussi revenir sur l'état des choses? Oui, sans souci, merci. Et le gouvernement togolais, que je remercie de passage, fait beaucoup de choses pas possibles, très remarquables, à l'endroit des enfants, surtout ceux qui sont dans les situations de travail. Notons que le
l'État togolais a mis sur pied plusieurs mécanismes pour protéger les enfants et pour même toucher ceux qui sont en situation de travail tout récemment avec l'appui de l'OIT. Le gouvernement togolais a fait la réintégration, la réinsertion socio-professionnelle, le retrait de 50 000 enfants pour pouvoir même limiter tous ces fléaux. Donc, je félicite vraiment l'État togolais qui ne continue jamais de faire ces actions en faveur des enfants. Parce que l'État a fait former plusieurs OSCD, les organisations de la société civile, et plusieurs acteurs intervenant dans la protection et la promotion des droits des enfants sur plusieurs thématiques et mécanismes pour pouvoir faire ensemble ce travail. Parce que le travail est vraiment énorme et on doit ensemble le faire. Donc, c'est un peu ça. Alors, quand on parle des travaux des enfants, quelles sont les conséquences, justement? Qu'est-ce que les enfants vivent? Parce que le dire ainsi, c'est bien beau, mais on veut bien pouvoir, dans cette émission, toucher du doigt les conséquences de ces travaux des enfants. Merci beaucoup. Tout d'abord, il faut savoir que le travail des enfants, c'est un mal désastreux qui pèse sur la vie physique et psychique des enfants. Du coup, quand nous parlons des conséquences, nous touchons directement la déscolarisation des enfants. Parce que quand l'enfant n'est pas scolarisé, l'enfant est libre. Bon, nous le disons ainsi, l'enfant est libre de faire ce qui lui passe par la tête, surtout quand il n'y a pas les encadrements, genre l'éducation déjà à la maison, l'éducation à l'école, parce que les enseignants, que je le félicite aussi de passage, ils en font beaucoup. Parce qu'à l'école, ils recadrent les enfants, plus l'éducation à la maison, ainsi de suite. Donc, quand il y a la déscolarisation, il y a la dépravation de tous ces enfants. Ça amène les enfants à se donner en n'importe quoi, genre les banditises. Et c'est ces enfants qui deviennent des fléaux sociaux, des vices, et que nous, bon, entre guillemets, certaines personnes accusent directement les parents pour dire qu'il y a plusieurs parents qui sont irresponsables, mais parfois aussi, on assiste au banditisme de ces enfants, parce que l'enfant qui est sur le lieu de travail, sans encadrement, parce que quand je vais un peu retourner en arrière, je peux dire que pour même réglementer tout ça, il y a la loi, les plusieurs lois qui sont votées par le gouvernement togolais pour recadrer. Ce qui fait que normalement, un enfant doit avoir au moins 15 ans avant d'accéder au centre d'apprentissage. Mais tout ça, là, ne sont pas respectés. Du coup, pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins, les enfants sont obligés de s'adonner aux travaux. Et tout ça, il y a aussi une partie de cette tranche d'enfants, ou bien je peux parler du genre, il y a surtout les filles qui sont maintenant harcelées sur les lieux de travail. Les conséquences, ça pèse surtout sur les filles que sur les garçons. Je ne suis pas en train de léser une partie. Oui, mais c'est évident parce que c'est l'évidence en fait. C'est l'évidence en fait. Parce que la jeune fille est plus vulnérable quand nous parlons des conséquences des travail des enfants. Parce que une fois sur les lieux de travail, il y a la pression de l'employeur, du patron. Et ça intimide souvent les filles. Ça intimide souvent les filles. Si je veux toucher surtout les travailleurs domestiques. Parce qu'avec plusieurs conventions de l'OIT pour réglementer le traitement des jeunes, ou bien le traitement des travailleurs domestiques, je pense que les conséquences sont énormes. Et ça pèse surtout sur les filles. Vu que nous prenons l'égalité, le droit des filles. Parce que souvent, on se dit, autant on est la sorte des familles entières. Oui, c'est souvent, c'est malheureusement ce qui se passe, madame Dominique. Quel cadre? Quelles sont les dispositions qui sont prises pour la sécurité de ces enfants maintenant? Donc, c'est tout ça qu'il faut maintenant réviser ou bien regarder avec un œil très particulier. Merci beaucoup, madame Dominique. Merci infiniment. Moi, j'ai peut-être une question. Une question à l'endroit du public, afin des téléspectateurs. C'est quand on dit souvent « Ocha Ondena Sokpero Famille Anti », qu'est-ce que la famille a fait à Sokpero Lili Anti? Une grosse interrogation. Merci. Alors, madame Dominique, je vous donne quelques secondes pour un mot de fin rapidement. Ok, merci beaucoup. Comme mot de fin, nous, l'Association des enfants et jeunes Future West, nous lançons un appel à une éducation
obligatoire pour tous les enfants. Éducation obligatoire, obligatoire, gratuite et de qualité pour tous les enfants. Merci parce pour que le mot quand, qualité. Quand c'est obligatoire, tous les parents sont obligés d'au moins insérer les enfants à l'école. Parce que je félicite encore une fois le gouvernement qui a déjà rendu gratuite l'école. Ouais. Donc, ça devient, c'est-à-dire, ça, la barre revient dans notre camp de maintenant faire l'action. On dit l'État ne fait pas. Oui, maintenant, cette fois-ci, l'État a rendu l'école gratuite. Maintenant, à nous, ou bien à chers parents, de maintenant insérer les enfants à l'école et que ça soit obligatoire et que j'exhorte toute la population togolaise et partout d'ailleurs de s'engager très activement dans la lutte contre le travail des enfants. Nous disons protégeons les enfants, oui, mais portons un regard sur ces enfants qui sont des enfants travailleurs en dépit de leur volonté. Merci, Madame Dominique. Merci. Quand elle parle, on sent la douleur. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous êtes venue avec Abigail. Elle est dans le studio également. Abigail, est-ce que tu peux venir rapidement, s'il te plaît? Quelle est l'histoire d'Abigail? En 30 secondes, 30 secondes. Oui. Quelle est l'histoire d'Abigail? Oui. Abigail, ici, elle est enfant membre de l'association. Et si je peux voler au moins une minute. Vas-y. Au fait, Future Voice, pour pouvoir mieux encadrer les enfants, nous avons des clubs d'enfants dans les communautés où nous intervenons. Et quand les enfants viennent au club, nous faisons plusieurs éducations et activités psychosociales, socioculturelles. Vu que nous encadrons les orphelins, les enfants devenus vulnérables, ils sont stressés, ils ont accumulé beaucoup de stress en eux. Un enfant qui vivait avec ses parents et maintenant c'est avec un tuteur parce qu'il est devenu orphelin, il y a plusieurs comportements qu'il faut maintenant abandonner parce que ça c'était avec les parents et ça c'est avec les tuteurs. Du coup, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de frustration côté psychologique. Donc, nous travaillons avec ces enfants dans l'école. Donc, Abigail ici, elle est venue pour pouvoir aussi dire un mot à la population par rapport à la situation des enfants. Abigail, on y va rapidement, une minute. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais dire ceci à toute la population togolaise ainsi que d'ailleurs. La situation des enfants de rue et travailleurs est très incohérente pour moi personnellement. Donc, moi, j'exhorte toute la population et le monde entier à porter un regard inquiet sur ces enfants. On va bien rapprocher le micro. Voilà, oui. À porter un regard inquiet sur ces enfants qui travaillent dans les rues. Parce que leur situation devient de plus en plus encœurante pour tout le monde. Et je remercie aussi l'État qui ne cesse jamais de continuer de porter ce regard sur ses enfants. Merci. Merci beaucoup, ouais. Abigail. Maman, elle doit se laver. Toi, tu dois se laver. Merci beaucoup. Alors, je veux rappeler que nous étions avec Mme Lanson Dominique, qui est la coordinatrice de l'association Future Voice, et puis on vous souhaite également beaucoup de chance. Un contact. Les messages, oui, un numéro de téléphone si on veut vous contacter. Oui, vous pouvez nous joindre sur le 91 44 33 00. Ou vous pouvez nous envoyer un mail sur futurevoice969@gmail.com. Voilà, futurevoice969@gmail.com. Et on va poursuivre cette émission à présent. On ne va pas rentrer dans la marmite, même si c'était annoncé. Nous avons un second plateau invité. On va juste partir avec le jingle de M. Yannick Smoussi. Et puis juste après, on va aller avec cet invité avant de revenir voir ce qui sera cuisiné pour partir de cette émission pour bien rentrer dans le week-end. C'est parti, jingle. Voilà, alors il est exactement 12h24 à notre montre et nous recevons M. Dossa Apollinaire, directeur commercial de Site Afrique. Bonjour M. Dossa. Bonjour le plateau. On va bien rapprocher. Voilà. Bonjour chers téléspectateurs
Et merci à l'émission Pause pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est nous qui avons du plaisir à vous recevoir. Alors, aujourd'hui, on veut parler de Site Afrique. Qu'est-ce que c'est, Site Afrique? Par définition, je peux dire que Site Afrique, c'est la société des initiatives technologiques. Et si je vais être bref, je peux dire que c'est la société qui a pour ambition de révolutionner le monde entrepreneurial. D'accord. Alors, mais bon, j'aimerais savoir très bien vos offres, vos différentes offres sur le marché. Permettez-moi de vous dire d'abord que Site Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui veut révolutionner le monde entrepreneurial, a les bras ouverts pour toutes les entreprises, les jeunes entrepreneurs en difficulté. Puisque nous constatons que les entreprises naissent aujourd'hui comme des bougies allumées et s'éteignent quelques temps après. Comme des bougies allumées. Ah oui. Hein? Et ça, tout ceci est lié à des non-savoirs. Site Afrique est disponible pour aider les gens à faire émerger leur société. Par rapport à nos offres, que nous sommes dans les marchés publics comme toute entreprise, nous avons une spécialité pour le forage, puisque nous venons de finir la promotion de 4 mois. Un foyer, un forage. Oui. Nous sommes dans les BTP et particulièrement, nous faisons la construction des maisons pour aider la diaspora. Aujourd'hui, il y a une difficulté particulière, c'est que quand les Togolais ou les Africains de la diaspora envoient de l'argent pour construire, ils ne se retrouvent plus. Ça devient un cadeau et les gens en profitent. Site Afrique est disposé aujourd'hui à aider les gens pour construire chez eux. Et nous avons une équipe en place et nous discuterons avec le client et du plan de l'achat de la parcelle, du plan à la construction. Et nous n'exigeons même pas la totalité. Il suffit que nous nous entendons sur le montant global et avec une avance, vous avez votre clé et si vous appréciez, vous allez faire payer le reste. Mais ça c'est long. Oui, mais c'est Site Afrique, vous avez parlé de solutions technologiques. Maintenant, on se retrouve aussi dans les mobiliers, dans les BTP. Ça fait beaucoup. Oui, bien sûr, puisque tout à l'heure, je vous disais que nous voulons faire la révolution entrepreneuriale. Et ça, ça englobe tout. Je peux m'exprimer. Félicitations. Moi-même, j'ai beaucoup de questions. Vas-y, d'abord. Je veux savoir. Alors, est-ce que vous avez des gens sur place qui œuvrent pour déjà le service de tous les domaines que vous rassemblez, ou bien vous faites appel à des gens qui... C'est des sous-traitances. Ah ben voilà, c'est ça. Ou soit vous faites appel aux gens qui c'est de la sous-traitance, voilà. Site Afrique ne fait pas de la sous-traitance. Okay. Nous avons des techniciens qui ont au moins 10 ans d'expérience. Wow. Puisque nous offrons la qualité et la rapidité. Ah, super. Et quand nous parlons de révolution, c'est parce que nous venons de loin et nous avons su quand même prendre les manquements et les difficultés dans le domaine entrepreneurial. Alors, on ne s'arrête pas sur les BTP. Aujourd'hui, nous avons compris aussi que les achats en ligne sont devenus une entreprise courante, mais liée à beaucoup de difficultés. Les gens, bien sûr, vont en ligne avec des cartes, ils achètent des produits, mais comment ramener les colis chez eux est devenu un casse-tête. Et Site Afrique a la solution par rapport à ça. Parfois, on achète, mais on n'a jamais le colis. Oui, bien sûr. Et ça, nous avons la solution pour ça. Et nous pouvons vous rassurer aussi, particulièrement pour la Chine, que nous avons une particularité pour la livraison des marchandises venant de la Chine, parce que le promoteur de Site Afrique vit en Chine. D'accord. Alors, pour continuer, je peux dire, et quand nous parlons des achats en ligne, nous pouvons vous dire que Site Afrique a une particularité dans ce domaine. Il faut reconnaître que la digitalisation s'impose de nos jours et rend beaucoup de personnes analphabètes dans le domaine de la digitalisation. Site Afrique a su
collectionner les manquements, les difficultés, surtout africaines, pour apporter la solution. Une solution vraiment salvatrice. Et Sitafrique aujourd'hui est le master distributeur au Togo des cartes Visa prépayées que nous appelons Best Cash. Oh, okay. Bravo. Alors, qu'est-ce qui a motivé Sitafrique à aller à la recherche de ce produit? C'est un produit purement africain qui a la solution pour toutes les difficultés liées aux cartes Visa. Je peux vous dire que nous avons trois gammes de cartes pour permettre au Togolais le plus pauvre d'avoir sa carte Visa. Parce qu'aujourd'hui, il y a des difficultés qui sont liées à l'acquisition des cartes Visa. Et les cartes prépayées Best Cash ne sont pas liées à un compte bancaire. Ce sont des cartes Visa que vous pouvez acheter juste sur présentation d'une pièce d'identité, mais utilisables dans tous les pays du monde entier. Et vous pouvez faire des retraits dans tous les guichets de toutes les banques au Togo et dans le monde entier. Super. Aussi, les cartes Visa Best Cash, quand je disais que c'est à la portée de tout le monde, nous avons trois gammes. Et la première carte est à vendue à 2500 francs. D'accord. Alors, mais cette carte est liée, bien sûr, à des conditions. Cette carte qui est vendue à 2500, vous ne pouvez recharger au maximum que 200 000 francs par mois. D'accord. Okay. Sur cette carte. D'accord. Et le retrait journalier aussi, c'est 100 000. Okay. C'est juste pour permettre aux Togolais, le plus togolais, de pouvoir quand même utiliser des cartes Visa. Les nous. Et cette carte, nous l'appelons Miton. Okay. Miton qui veut dire ça, c'est pour nous. D'accord. Nous-mêmes, nous sommes Miton. Dans la barre. C'est pas béninois par hasard. Si c'est béninois. Alors, la deuxième carte. De toutes les façons, les béninois sont à la barre, donc je ne vais pas rentrer dans le jeu de wisdom aujourd'hui. La deuxième carte que nous appelons Eulizo. En effet, Eliso. Et là, ça a pris. Cette carte est vendue à 4500 francs. Quelle est la différence avec la première? La différence, c'est le rechargement. Okay. Le rechargement instantané sur cette carte, c'est 1 million de francs. D'accord. Mais le cumul de rechargement mensuel, c'est 5 millions de francs. Wow. Et le retrait journalier, c'est 600 000. Okay. Mais tenez-vous tranquille, pour les achats en ligne à partir de cette carte, vous pouvez aller jusqu'à 850 000 francs le jour. La troisième carte que nous appelons Agbonon, la carte VIP, elle est vendue à 6500 francs. D'accord. Cette carte, le recharge instantané, c'est 2 millions. Le cumul mensuel, c'est 10 millions. Et les achats en ligne, vous pouvez aller jusqu'à 1 200 francs le jour. C'est vrai que Sitafrique a amené des cartes Visa Best Cash. Mais il faut apporter la solution, puisque nous avons dit tout à l'heure que nous avons essayé d'analyser les difficultés et les manquements. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est pour recharger ces cartes Best Cash, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez de chez vous, par le mobile money, envoyer l'argent et on vous recharge votre carte. Le rechargement est instantané. Et ces cartes jouent les mêmes rôles que toutes les cartes Visa que vous connaissez, seulement que nous avons un service après-vente spécial et particulier. Super. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a aucune carte Visa que vous pouvez recharger après 20 heures. Oui, mais les cartes Visa Best Cash, même à 1 heure du matin, à 2 heures du matin, vous pouvez les recharger parce que nous avons compris que nos clients nous n'avons pas la même, les mêmes horaires. Donc, au moment où nous sommes la nuit ici, peut-être dans l'autre pays, c'est le jour. Ouais. Le client en pleine action et a un manquant de solde. Et nous, vous pouvez nous appeler à tout moment. Votre carte sera rechargée. Et le rechargement est instantané. OK. Et vous avez un SMS qui confirme. Merci. Voilà. Merci. Félicitations. Pour ça, les gens demandent votre numéro. Et oui, parce que c'est tellement beau. Oui, je suis sûre que si vous donnez le numéro, ce sera
justement, instantanément, vous voyez, à décrocher. Merci, merci beaucoup. Nous sommes joignables au 91. 91. 78. 78. 11, 11. 11, 11. 91, 78, 22, 22. Oui. 91, 78, 33, 33. Oh. 91, 78, 44, 44. Oh. 91, 78, 55, 55. Merci beaucoup. Toute la série. Alors, vous êtes situé où, à Lomé? Site Afrique est situé à Goué, Gakoto, non loin du CEG à Goué Centre. Okay. D'accord. Merci. Alors, nous sommes avec M. Dossa Apollinaire, le directeur commercial de Site Afrique. Et si vous êtes intéressé par les produits ou encore que vous avez envie d'aller sur l'une des activités de cette entreprise, vous contactez le 91 78 11 11, le 91 78 22 22, le 91 78 33 33, et le 91 78 44 44, ou 55 55. 55, voilà. J'en prie toute la liste. Hein. En tout cas, bravo, merci beaucoup pour cette innovation. Bien, on va marquer une petite pause avec toi, Joël. On peut bien rigoler un peu, tu vois. On va Il faut déstresser. Il faut déstresser. Il est midi 35. Innocent, si tu es d'accord, on va redécouvrir ces bandits, ces férus de réseaux sociaux qui nous font rire tout le temps. On y va avec ces jeunes-là. Moi, je l'ai porté par-dessus, il porte près du corps. Non, non, il porte sa veste près du corps. Moi, vraiment près du corps. Bon pasteur, lui, franchement. Oh là là. On a vraiment de l'impatience à vous recevoir ici, les gars, dans cette émission. On va passer un bon moment avec vous, c'est exactement. Sûr. Alors, je dis bonjour à Linus, Madame Ouvrieux. Je dis bonjour également à Raouf Tchakondo. Bonjour. Non, moi, je n'ai pas de madame. Moi, je suis déjà de bonjour, belle-sœur ouvrieux. Non, je ne suis pas une belle-sœur. C'est pas... Comment tu peux dire une belle-sœur? Une belle-maman. C'est ça. Hein? Belle-mère, belle-tante. Bonjour, belle-maman ouvrieux. J'ai tout pris. Belle, grand-mère. Je suis dans mais la tante, zone. Tout à l'heure, oui. Tu ne voulais pas qu'on t'appelle tante, non? Non, ça, c'est un autre sujet. D'accord. Oh, ma belle-tante, là où il y a un congé. Je suis sa tante dans le bas. Il y avait tante chevelue ou non? Il y avait tante chevelue ou non? Ah. Reste tranquille. La musique et la danse te vont mieux. Hein. Alors, lui, il nous emmène dans la marmite. Rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que c'est pas mieux? Tu vas garder.
Oui, c'est bon. Bon, allez, on a la semaine prochaine. On va parler de la formation. On va juste encore parler de la formation. Ouais, c'est ce samedi 25 juin, à partir de 9h. Oui. Donc, réservez déjà vos places au numéro 90 66 34 43. Oui. Venez, il y a plein de surprises. Comme la dernière fois, Océane a témoigné. Oui. Elle était là. Et il y a à manger. Et vous allez. En fait, la particularité, c'est que les apprenants eux-mêmes vont faire à manger. Mmh. Ah ben c'est quand ils vont la sauce crème si. Oui, eux-mêmes vont manger. Oui, donc, surtout la crème fraîche. Vous l'argent pour venir voir quelqu'un d'autre. Non, du tout. Non, du tout. Si c'est ça, pourquoi ne pas aller au restaurant? En même temps, du tout. En fait, l'idée, c'est de pouvoir permettre aux gens de toucher à la cuisine. C'est vrai, il y a des gens qui n'ont jamais. Donc, nous-mêmes, on prépare et on mange. Oui, et c'est bien, on te surveille. En fait. Non, on te surveille. Mais c'est bien fait en plus. Sinon, je serais déjà mort. Il y a Lénus qui a une question. Oui. Alors, on prépare et on mange. Oui. Et les... Les ingrédients? Non, non, non. En fait, les formateurs, ils goûtent aussi. Oui, ils goûtent. En fait, l'idée, c'est que le formateur, il est là en c'était position de... C'était juste pour voir s'il y a un contrôle sur la qualité de la préparation. Il y a un contrôle. Ah, ouais. En fait, de toute façon... C'est une question. Nous allons faire tous la diarrhée, si. Merci, Lilus. En fait, vous ne préparez pas comme ça. Vous préparez sous le... Vous avez suivi du sinon, nous tous, on va manger et on va faire la diarrhée là, mal même. Si par exemple... Si par exemple, l'apprenant aime par exemple d'impimenter... C'est ce que lui-même il a préparé, voilà. Que lui-même et que le formateur n'aime pas. Voilà. Non, le formateur ne te dit en fait, le formateur te guide. Si tu veux mettre trop pimenté, c'est à toi. Il va goûter. Non, il va goûter, c'est pas encore manger. Attention, j'ai une question pour toi. Donc, tu viens pour te faire former ou bien tu viens pour tuer les gens? Vraiment, non, mais je te faire former. Cette dans laquelle tu es là, il faut faire attention. On dit une seule. La bon. Secte. Voilà. Donc, secte. Si tu permets, au programme, on aura en pâtisserie la quiche. Voilà, on va faire des quiches. Les quiches de truc là. Oui, voilà. Ah. Donc, à la cuisine même, on aura des tagliatelles à la sauce bolognaise. Ça, la même. Et en c'est boisson, on aura smoothie lune de miel. C'est donc, ça, venez février, découvrir. 20 000. Ah, je suis pas non. Les c'est tagliatelles. Quand la formation sur le djabak. Voilà, c'est ça, moi, je vais venir. En tout cas, bientôt, le prochain, on va faire un petit gaou. Donc, c'est bon. Ah oui, on nous dit nam. Il y a une vendeuse de petit gaou non le c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, et DJ. Raison de plus. Bon, elle a pas midi. Oh, bon. Mais là, c'est grave quand même. Bon, attention. Eh, dans 4 minutes, on va finir. On n'a pas 4 minutes. On va laisser le soin à Linus de nous dire ce qu'il y a comme programme sur le week-end. Ah, ok. Bien. Alors, rapidement, au niveau de Factory, il y a une expo vente. Donc, de 15h à 20h, c'est demain. Donc, tout ce qui est artisanat, tout ce qui est gastronomie et tout ça, made in Togo, je précise. Voilà. Et donc, la Maison d'Arrue organise Afropéro avec comme invité Fofo Scarfo. Donc, dégustation, expo-vente à partir de 15h à la Maison d'Arrue, je précise. L'entrée est gratuite, de la conso obligatoire. La Brochetta Journée internationale du bien-être, c'est demain. Donc, à cette occasion, la Brochetta organise un petit quelque chose avec des partenaires qui sont dans le secteur du bien-être. Donc, c'est dimanche de 14h à 18h. Et puis, on termine avec la séance cinéma pour les enfants du côté de l'Hôtel de Février à la Salle Concorde. Ce dimanche, à partir de 16h, un film pour les enfants nommé Vivo. Voilà. Les programmes de ce week-end. Raouf, bientôt les Ivalas. Quelles sont les danses que tu dois apprendre absolument avant non. que les Ivalas ne commencent? Il y a une danse de plus, là. Oui, mais bon, comme on est en période des Valas, je pense que ce serait plus intéressant. Dans de pluie. Oui. Oui, il y a la pluie. On est en période des Valas. Maintenant, on est en période des Valas. Donc, du coup, ça rentre aussi dans ce contexte-là. Bon, je pense que là, c'est plutôt rentrer dans tout ce qui est Camo, parce que Camo englobe tout. Donc, vous avez Timo, vous avez Akoma, vous avez So. Donc, du coup, un espèce de medley. Donc, du coup, ça le fait. Waouh! Un medley de temps. Attention, j'ai pas hâte d'être à la semaine prochaine parce qu'on va danser Camou, on va danser Akpema. Timou? Elle va danser Akpema. C'est Camou. On ne danse pas Akpema. Elle va faire Akpema. On fait Akpema. Il est 12h43 à la montre. Je veux juste dire merci à Timou. Le temps est passé très, très vite. Franchement, on n'a pas pu passer le temps. Mais c'est vendredi et c'est toujours agréable de vous avoir. On a plein de téléspectateurs qui sont. Attends, il y a plein de téléspectateurs qui sont dans le studio. Oui. Ils sont. Vous pouvez lever la main rapidement, s'il vous plaît. Et puis il y a Sandra là. Tu fais quoi, assise? Viens ici. Viens, Sandra. Viens, dépêche-toi. Allez. La surprise. Les téléspectateurs, ils sont où, les téléspectateurs? Ok. Bien. Sandra, on va clôturer.
On va clôturer sur cette belle image. Alors, il ne faut pas oublier ce soir à l'Institut français du Togo, et je vais justement de nommer Takam, vous invite pour un gros spectacle avec tous les humoristes togolais. On se donne rendez-vous ce soir à 19h. Bisous, bisous, et on se dit à lundi.